Fort. Fort. D'accord. Donc, Amen. Amen. Donc, je disais que. Moi aussi, je suis un peu dur d'oreille. Ah, ok, d'accord, ça va aller. Je viens du Burkina Faso, c'est un pays de... qui est situé au centre de l'Afrique occidentale. Donc, un pays continental qui n'est pas du tout à côté de la mer ni à côté d'aucune forêt. Un pays sahélien. Donc, je suis enseignant de formation et serviteur de Dieu par vocation. Donc, c'est dans ce pays, et particulièrement à l'est du Burkina, à la frontière du Niger, que un samedi soir, pendant que je causais avec des amis, donc j'étais musulman d'abord, pratiquant. Et le seul plié qui me restait dans l'islam, c'était la Mecque. Mais dans un pays aussi riche que le Burkina, les ressources sont quand même difficiles à trouver. Donc j'étais très pratiquant, parce que étant issu d'une famille, ma famille est l'une des plus islamisées, les plus pratiquantes de la ville où je suis né, Fadan Gourma. Et moi, à cause de la fonction que j'exerçais, la fonction enseignante, je me suis retrouvé hors de ma famille, donc près de 150 km de la ville où je suis né. Donc c'est dans cette ville, j'étais musulman, je priais, je pratiquais très bien. En tout cas, les cinq prières, je les exécutais, mais ça ne m'empêchait pas quand même d'avoir une petite bouteille de Dieu sur mon lit. Donc je n'étais pas séparé du péché. Et aussi de pratiquer la divination, parce que la région où je suis issu, c'est la région la plus réputée de notre pays en matière de divination, la divination par la géomancie. D'ailleurs, les géomanciens m'avaient dit de ne jamais aller plus à l'est dans le pays, parce que si je partais là-bas, j'allais rencontrer la mort et c'est mon cadavre qui allait revenir. Mais c'est par la suite que j'ai réalisé qu'en réalité, le diable, il n'a jamais vu juste. Alors un soir, je suis allé avec un autre ami avec lequel je me cachais pour boire. On avait tellement bu qu'on était dans les gaz. Donc, il m'a proposé d'aller courir un peu pour transpirer, pour vraiment nous dégazer. Donc, lui, il habitait à côté du terrain où on devait aller jouer au ballon. Je lui ai dit donc de me devancer, je veux m'échanger et puis je le rejoins au terrain. Donc, c'était aux environs de 16 heures. Je suis arrivé chez moi, je suis rentré dans la maison. Mais quand j'ai ouvert et que je suis rentré au salon, nous étions en décembre. C'est vrai que chez nous, en décembre, c'est notre hiver aussi. Donc, les températures descendent un peu vers 15, 18, 20 degrés. Ah, mais chez nous, c'est déjà l'hiver. Donc, c'est là, quand je suis rentré, vous savez, quand, je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas les maisons en tôle ici, mais je sais que vous comprendrez. Puisque chez nous, les maisons, le toit est couvert avec des tôles. Donc, en avril, au moment où il fait très chaud, les températures montent vers 40, 42 degrés parfois. Donc quand les tôles se chauffent, il y a un bruit de détonation parfois qui se fait entendre. Donc quand je suis rentré, nous étions en décembre, et j'entends ce bruit de détonation dans le toit de ma maison. Automatiquement, il y a une angoisse qui m'a envahi. Mon cœur s'est emballé et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passait? Alors, j'avais des fétiches dans ma chambre. Et je voulais rentrer prendre ces fétiches-là pour faire des incantations et pouvoir me dégager. Donc, c'est au moment de rentrer dans ma chambre que cette angoisse est devenue plus forte. Je n'arrivais pas à rentrer dans la chambre. Donc, j'ai dit, moi, si c'est ainsi, je vais appeler mon ami pour qu'on rentre à deux, pour qu'il m'aide à prendre les fétiches. Je suis ressorti et je courais pour rejoindre mon ami. Et c'est là, je suis arrivé sous des arbres, là. Il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Cette voix était impérieuse, pleine d'autorité. Que quand elle a dit, arrête-toi, sans que moi je ne veuille, mon corps a obéi. Sans que moi je ne veuille m'arrêter,
C'est-à-dire là, je n'ai pas commandé à mon corps de s'arrêter, mais mon corps a obéi à cet ordre. Je me suis arrêté, je ne comprenais pas. Et j'entends de nouveau, retourne dans ta maison. Alors je fais demi-tour, je reviens dans ma maison. Mais cette fois-ci, je n'avais plus peur. L'angoisse était partie, toute la peur était partie. Et la voix me dit, continue dans ta chambre. Je ne faisais qu'obéir, je suis rentré. J'attendais le prochain ordre. Et j'entends, prends le dernier livre de ce tas. Mais il n'y avait pas un doigt qui m'indiquait, mais quand je recevais l'ordre, je savais exactement ce que j'allais faire. Parce que je ressentais ça en moi-même. Prends le dernier livre de ce tas. Donc je me suis dirigé vers un tas, j'ai tiré un dernier livre, c'était écrit « Comment naître de nouveau » de Terrell Osborne. Et ce livre, je me suis rappelé que quand on voulait refaire la constitution de notre pays, j'étais secrétaire de séance dans ces nombreux comités qu'ils avaient mis en place à travers tout le pays. Et lors d'une de nos rencontres, j'ai pris le livret avec un jeune homme pour en faire un sous-main. Et à la fin de la réunion, quand j'ai ouvert, j'ai trouvé que ça parlait de Jésus. Moi, j'étais musulman pratiquant. J'ai refermé ça. Mais le jeune homme était déjà parti. Et quand je suis arrivé, j'ai mis ça en bas pour ne pas avoir affaire à ça. Et ce jour, j'ai pris le livre, ouvre le livre, lis à telle page. Je l'ouvre, je lis. Et je partais de page en page et ça décrivait exactement l'état dans lequel j'étais. À un certain moment, je suis tombé à genoux et je suis tombé face contre terre. Et c'est à ce moment précis que j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était arrêté devant moi. Mais je ne pouvais pas voir sa face. Tellement une lumière puissante se dégageait de lui, je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais pas. Même quand j'essayais de lever les yeux, mes yeux n'arrivaient pas à supporter l'éclat qui se dégageait de lui. Donc je suis resté prosterné devant lui de 16h à 22h30. Mais c'est comme si j'avais passé 5 secondes seulement dans sa présence. Je n'ai pas senti le temps passer. Et c'est là qu'il a commencé à me parler de ma vie. Je pouvais revoir depuis les premiers jours de mon existence jusqu'au jour où j'étais. Les choses les plus horribles que j'ai faites dans ma vie, parce que je suis né d'une mère togolaise, un pays où on pratique beaucoup le vaudou. Donc j'ai été initié à certaines choses dedans. Donc il y a eu des choses horribles que moi-même j'ai faites et que je n'avais plus le courage de revoir ça en image. Donc quand je fermais les yeux, c'est comme si les yeux restaient ouverts. Quand j'ai détourné ma tête, l'image était là. Alors j'ai commencé à dire, pardonne-moi, je te demande pardon, je ne veux plus recommencer. À un certain moment, il s'est retiré. Et quand il s'est retiré, l'endroit où j'étais à genoux, vous croyez que quelqu'un est venu verser un seau d'eau, tellement j'ai transpiré, tellement mon organisme a dégagé de la sueur et de l'eau. Moi, c'est ce que je crois, c'est de l'eau. Je suis resté là. J'avais juste la force de me traîner, arriver jusqu'au bord de mon lit et de poser ma tête. Tout le reste du corps en bas. Et c'est là, à 5 heures du matin, la voix a recommencé à parler. J'entends cette fois-ci, va dans ma maison. Quand il dit va dans ma maison, dans mon cœur, ça résonne église. Va dans ma maison. Là, j'entends église. Je dis, mais comment moi, je vais me retrouver à l'église? Mais je n'avais pas le choix. Comme l'autre le dit, quand il n'y a qu'une seule issue, on est dans l'impasse. Quand c'est deux, on est dans un dilemme. Mais là, je n'avais pas le choix. À 6h, j'étais devant la porte d'une église. J'étais là assis. À ce moment, j'avais une grande chevelure. J'ai passé la nuit à pleurer. Les yeux étaient rouges. J'avais un visage vraiment tout défait. J'étais là assis devant la porte de l'église. Et voici le pasteur qui arrive, qui me regarde. Il me connaissait très bien.
un musulman pratiquant qui se retrouve à 6 heures devant la porte de son église. Il ne comprenait pas. Il m'a regardé. Et après, les autres fidèles sont arrivés. Je suis rentré, je me suis assis derrière. Le culte a commencé. Je faisais comme tout le monde, je regardais ce qu'il faisait. Quand il se levait, je me levais. Quand il battait des mains, je battais des mains. Je ne comprenais pas. C'était la première fois d'ailleurs que je rentrais dans une église. Et à la fin du culte, bon, j'ai salué comme tout le monde. Et je suis ressorti par la porte la plus proche pour repartir chez moi. Et c'est en cours de route, j'entends encore, va dans ma maison. J'ai dit, ah non, là, c'est trop. Je reviens de l'église, tu m'as dit, va dans ta maison. Je suis allé à l'église, tu me dis encore, va dans ta maison. Où je dois aller? Pour finir avec tout ça, j'ai dit, je sais ce que je veux faire. Je vais au bar, je me noie dans l'alcool et c'est sûr que cette voix va s'éteindre. Alors j'ai pris le chemin et je partais au bar. Je n'avais plus peur que les autres musulmans me voient rentrer au bar. C'est là que j'ai croisé le jeune homme avec lequel j'avais pris le livret. Alors je lui ai expliqué ce qui s'est passé. J'ai dit, mais viens là, j'ai dit, votre affaire de Jésus là. Viens, tu vas m'expliquer un peu. Alors il est venu, je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Il m'a regardé, il était tout heureux, tout content. Il me regarde, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi je vis des problèmes et toi tu es heureux, tu es content, tu es joyeux, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, non, viens, je vais te présenter à des amis. C'est là qu'il m'a amené chez Marcel et Marcelin. Alors, je les ai raconté ce qui m'est arrivé. Marcel m'a dit, mais mon frère, tu as eu une grâce particulière. C'était l'une des rares fois où j'entendais pour la première fois le mot grâce. Il dit, non, tu as rencontré le Seigneur Jésus. Mm-hmm. J'ai dit, ah bon? Il m'a même pas montré qui il était. Seulement, je sais que en sa présence, j'ai senti qu'effectivement, j'étais souillé, j'étais sale, j'étais pécheur. Et sans qu'il me dise quoi que ce soit, j'ai commencé à demander pardon. Et c'est là, Marcel m'a dit, c'est très bien. Et c'était un gendarme qui était en fonction à la frontière là-bas, avec son épouse. C'est un joli couple, vraiment. Et c'est Marcel et Marceline, Dieu fait bien les choses. Alors, c'est là qu'eux, ils se sont occupés de moi. Ils m'ont donné une Bible, ils m'ont appris à prier, ils m'ont encadré, ils m'ont appris à jeûner, ils m'ont appris vraiment beaucoup de choses. C'est là que j'ai commencé à grandir dans la foi. Et en moins de 3 mois, j'avais une telle envie maintenant de connaître Dieu que je pouvais passer le temps avec ma Bible. Quand je descendais, je quittais de l'école de 17h30, je pouvais passer le temps. J'arrivais à la maison vers 18h, j'ouvrais ma Bible et je ne la refermais qu'à 5h pour me préparer à retourner à l'école. Je passais des nuits entières à lire la Bible et c'était des choses extraordinaires que je découvrais. Et j'avais envie de partager ce que je découvrais, mais comment faire? Je ne savais pas comment annoncer l'Évangile. Donc Dieu m'a inspiré une idée, je suis allé acheter une grosse jarre dans laquelle je mettais de l'eau, puisque ma maison était dans un carrefour. Et le village où j'étais, c'était un village qui avait une foire hebdomadaire, donc beaucoup de gens venaient. Alors j'ai acheté 2 gobelets et je m'asseyais à côté de la jarre avec ma Bible. Quand je voyais des gens qui venaient, j'ai dit, mais vous n'avez pas soif? Vous voulez boire? Ils disent, oui, oui. J'ai dit, mais venez, il y a de l'eau fraîche. Ils viennent, ils boivent. Alors j'ai dit, bon, écoutez, je ne savais pas, j'ouvrais ma Bible au hasard et je me mettais à lire un passage. Je lis. Vous avez compris, ils disent, oui, j'ai dit, merci beaucoup. Je refermais et continuais. J'attendais le prochain groupe. Et j'attendais le prochain groupe qui allait venir. Et c'est comme ça que je faisais, jusqu'à ce que maintenant j'ai appris à sortir faire des évangélisations avec Marcel et Marceline. Donc j'ai appris des techniques d'évangélisation, j'ai appris les différentes approches qu'il y avait, et ça m'a beaucoup aidé. Mais il y a beaucoup de faits marquants pendant ce temps, parce que je me rappelle que, comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit, un soir j'étais dans ma maison, ma fameuse maison. Alors j'étais là et vraiment, après avoir lu la parole de Dieu, j'étais
rempli d'une joie immense. Et je me suis mis à genoux, commencé à bénir le Seigneur, à bénir le Seigneur, à bénir le Seigneur. À un certain moment, les murs de ma maison changeaient de couleur. Il y a une lumière qui a commencé à envahir ma maison et toute la chambre dans laquelle j'étais était toute blanche de lumière. Et c'est en ce moment, quand j'ai ouvert la bouche pour parler, je ne comprenais plus ce que je disais. Je parlais, mais qu'est-ce que je disais? Je ne savais pas. En tant que je dis, mais je suis bête ou quoi? Mais j'avais du plaisir quand même à parler. Et je parlais, et je continuais de parler. Et à un certain moment, j'étais poussé à parler davantage et davantage, et je continuais. Et maintenant, je ne voulais pas que les autres frères sachent ce qui m'est arrivé. Parce que je ne comprenais pas ce que c'était, et je ne voulais pas que les autres sachent non plus ce qui m'est arrivé. Donc quand on se retrouvait, on priait, dès que je sens quelque chose qui monte, je ferme la bouche et je suis là. Et jusqu'au jour où, sans que je ne sache, je me suis mis à parler. Et Madame Nana a reçu l'interprétation. Elle dit, mon frère, tu es baptisé du Saint-Esprit. Il dit, ah bon? C'est donc ça. Donc, c'est comme ça. J'ai évolué, vraiment, c'était la grâce de Dieu. Jusqu'au soir où, après avoir fini encore de prier, je me suis couché, dès que j'ai tiré la couverture sur moi, j'étais encore dans mes gloires à Dieu, que ton nom soit béni. J'ai vu le toit de ma maison qui partait d'un côté. Alors là, j'ai regardé, qu'est-ce qui se passe encore? Et je regardais, j'étais couché, je ne dormais pas, ce qui est curieux. Je ne dormais pas, je n'étais pas assoupi et rien, mais j'ai vu le toit de ma maison qui est parti de côté. Et je voyais les étoiles. Mais là... Ah oui, il y avait de quoi quand même me faire passer à une table de multiplication qui n'existait pas. Alors j'étais là et après il y a une sérénité quand même qui m'a envahi. J'étais là, je regardais. J'ai vu une étoile qui a quitté plus haut que les étoiles que j'avais devant moi, qui est venue comme une étoile filante. Et quand elle est arrivée au niveau des étoiles que je voyais, leur éclat est devenu comme des braises. Elle ne brillait plus, mais elle était devenue rouge. Et cette étoile a continué jusqu'au-dessus de ma maison. J'étais là, je regardais. Et c'est là, quand elle est arrivée, elle a commencé à briller. Son éclat s'est augmenté, ça s'est multiplié, c'est devenu, je ne sais pas, 100 fois, 1000 fois plus brillant. Et c'est là que j'ai pu distinguer que c'était une couronne. Une couronne qui était là et je regardais. Et une goutte de sang qui a quitté la partie supérieure de la couronne pour tomber. Et quand elle est arrivée juste à la base de la couronne, elle s'est arrêtée là-bas. Elle s'est mise à écrire. Je te prépare pour une grande mission. J'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est resté là un instant. Après, et la couronne et les écritures se sont retirées et c'est reparti. Et le toit de ma maison est revenu. Alors je me suis levé, j'ai pris un cahier, j'ai noté tout ce que j'avais vu. J'ai tout écrit. Donc, mon épouse et moi, nous avons ainsi cheminé avec le Seigneur. Mon épouse, qui était d'ailleurs une de mes anciennes élèves, ça aussi c'était un combat. Quand le Seigneur m'a dit, c'est ta femme, il dit, ah non Seigneur, pas une de mes anciennes élèves. Et parce que les relations risquent d'être les relations entre un ancien et son élève plutôt. Ah non, non, c'est... Seigneur, quand je prie, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et quand le Seigneur me donnait une image où j'étais en train de travailler, souvent je me vois en train de prier. La première vision que j'ai eue, c'est que j'ai vu des gens qui étaient couchés sous des arbres fruitiers
dont les branches pendaient, les branches même allaient se rompre parce qu'ils étaient chargés de fruits. Et tous ceux qui étaient couchés sous ces arbres étaient malnutris, ils étaient tous maigres et ils mouraient de faim. Et j'étais chargé de les relever et de les faire manger ces fruits afin de reprendre vie. Et je priais pour leur bénédiction. Et pendant que j'étais en train de prier, j'entends derrière moi « Amen » dans la vision. Et quand je me retourne, je trouve que c'est elle. Pour moi, peut-être le Seigneur avait un travail pour nous deux. On allait travailler certainement ensemble. Et non, c'était autre chose. Jusqu'au jour, j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, que je te serve sans femme, que ta volonté soit faite. Et la même nuit, le Seigneur me montre en train de marcher au bord, en train de marcher sur une plage. Je vois une jeune fille qui vient vers moi, qui tend ses deux mains et me dit, je t'offre mon amour, je te l'offre tout entier. Et c'est en ce moment qu'une eau a quitté le ciel. Elle s'est déversée sur nous. Alors là, et quand je me suis réveillé, c'est bizarre, je pouvais ressentir encore les effets sur mon corps. Mais je n'étais pas convaincu. J'ai dit, Seigneur, si c'est elle que tu me donnes, qu'elle vienne chez moi et qu'elle pose un acte qui symbolise la vie d'un couple. Alors, elle a quitté le collège, elle est passée chez moi, elle dit à mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ta maison est sale? Elle prend le balai, un balai. Les assiettes sont sales, fais la vaisselle. Elle prend mes habits, elle lave, elle repasse et elle ramène. Je m'assois encore, je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment elle? Alors là, j'ai entendu une voix qui dit, incrédule, n'as-tu pas demandé des signes? Non. Je suis tombé à genoux, j'ai dit, Seigneur, je me répands. Je me répands. Et là, j'ai dit, moi, je voudrais pouvoir partager cela avec Marceline, qui était ma maman spirituelle. Et quand je me suis levé, j'ai fermé ma porte, j'ai entendu le bruit de la mobilette de Marceline derrière moi. Elle est arrivée, j'ai dit, ah tiens, je venais chez toi. Elle dit, non, je viens chercher ce que le Seigneur t'a dit. Dis, toi aussi, tu étais au courant, alors. C'est comme ça, ça s'est passé. Mais pendant qu'on préparait le mariage, un soir, la veille du mariage du moins, quand nous sommes... Marcel, Marceline et moi et Esther, nous sommes allés parce que le maire voulait nous rencontrer avant. Quand nous sommes revenus, chez nous on a des bassines là pour la lessive. On a vu trois bassines de lessive là, remplies de poissons. Des capitaines qui avaient cette longueur, des carpes qui avaient cette taille, bien nettoyées et propres, dans des plats neufs. On demande qui a amené cela. Les enfants nous disent que c'est trois hommes qui les ont amenés à vélo. Ils sont arrivés, ils ont demandé si c'est ici qu'il y avait le mariage. On a dit oui. Donc, ils ont dit de venir, qu'on les a envoyés de venir remettre le poisson. Donc, là, on a fait bonne chère. Hein? Ouais. Et à la fin du mariage, on a essayé à nettoyer les plats, on a posé, on attendait que les propriétaires reviennent pour que quand même on sache qui a envoyé le poisson. Un soir, on sort, on revient. Ils nous disent que ceux qui avaient amené les plats là sont venus les prendre. Il dit, mais ils sont venus comment? Ils sont venus à vélo. Mais devant chez moi, c'est du sable. Je ne trouve aucune trace de vélo. Je suis allé au campement de pêche. Je suis passé famille par famille. Personne n'a envoyé le poisson. Je suis allé à un campement plus loin, à 11 km. Je suis passé famille par famille. Je n'ai pas trouvé celui. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui a envoyé le poisson, mais je sais, parce que je sais. Donc, vraiment, le Seigneur n'a pas cessé de témoigner sa présence à mes côtés. C'est en condensé, en concentré, le témoignage que je voulais vous apporter. Et que Dieu vous bénisse de m'avoir donné l'opportunité, l'occasion de le faire. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Que vraiment Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Je suis vraiment très honoré d'être là au milieu de vous. Je ne manquerai pas. J'aurai beaucoup de choses à raconter à Esther. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Dieu vous bénisse.